I can definitely visualize the path to lifting the trophy with my team. Writing our name on the stairs just before you enter the stage, Heroic, would be insane. It's the biggest of the biggest names in esports. You can just go down the list. It's just one legendary team after another, legendary players on the rosters. This is the final that I feel most confident going into, where I feel the most confident about the team. I think we are the strongest individual team right now. Playing against Nico, he's a star power that we are yet to face in this tournament. We've already taken down Saewoo, we've already taken down Simple this tournament, so we can take down Nico as well. I think if they shut me down, they cannot shut Manessi down or Hunter or JKS. We trust each other so much right now that it's very hard to break us. They look good, but I don't know how strong they are. I want to bring as many trophies home as possible, so when you think about Kadian in a few years' time, you think about the guy who lifted all the biggest trophies. I'm gonna do everything in my power to lift this fucking trophy. The D doesn't betray him this time! Hero will take the title, I can guarantee you that much. This is what we're all here for. Who's ready for a grand final? Oh, welcome along to the Intel Extreme Masters Katowice 2023. It is time to cry havoc and let slip the gods of CS, because 10 days of competition have come down to this, to a packed Spodek. Let me hear you! 10 days of competition, and now two teams want their name on that trophy. Bravery, skill, balls, luck, all of those things they will need over the next 5 maps if they want to add their name to the Hall of Heroes. And my word, do we have a matchup for you. Before this, if you were going to ask for two teams to be in the final, it's the two teams backstage. One team we can talk about in numbers. 11 series on the bounce. 19 maps without losing. But you know what, Heroic? They do not care for numbers. They care about one number, and that is 3. That's the amount of times Nico has been to the grand final stage and lost. They want to make it 4, but he says no. So, are we ready for the teams? Down here. Are you ready? My friends over here, are you ready? Everyone in the back, are you ready? Well, let's get them out here. Please welcome to the stage your first team. Legitimately, they can call themselves the best in the world. They want to go one more. They want that trophy. Nico wants that trophy. Please welcome. It's G2! Takes two teams to make a grand final. We've seen what they can do. We know how they operate. We see how much they want to be here. So please welcome your second team. They play controlled, aggressive Counter-Strike. They will beat you any way they can. Please welcome. It's Heroic! In the words of Sponge, this is going to be an absolute banger. But who's winning it? Is it G2? Is it Heroic? Come on, Katowice, so this is a grand final. Is it G2? Is it Heroic? Let's get it on. Good luck, boys.
G2 contre Heroic, la grande finale qui s'apprête à démarrer. On avait recueilli quelques pronos, c'était parti un peu dans tous les sens. Oni qui nous ont rejoint rapidement parce que les casters Extase et Benji sont en place. Oni, si t'as un petit mot en 30 secondes à placer, qui tu vois gagner, quel score, pourquoi? Beaucoup de choses vont dépendre aussi de la première carte et la capacité à G2 à remporter cette nuke. Attention à Inferno parce que Heroic a des restes, donc Heroic va être, je pense, plus difficile à prendre que le Liquid d'hier. Moi, bizarrement, je vois 3-1 pour Heroic. Ok, petite tendance danoise de ton côté, les casters sont en place, est-ce que vous êtes prêts messieurs? Benji, Xtaz, c'est à vous. On est là, on est chaud avec Xtaz pour ce BO5, la première carte en tout cas, pendant qu'on voit les joueurs qui s'échangent des derniers mots dans cette Spodek Arena. Xtaz, bon, on en parlait un petit peu, c'est vrai, sur ce genre de BO5, important du premier pick, oui, ou peut-être important d'avoir le bon side aussi, parce que la nuke c'est quand même la carte la plus city side de ces IEM. Ah oui, ouais, on a en termes de stats, tutoie les 60%. Oui, oui. Après, bon, G2 aime beaucoup la carte en attaque. Donc, comme on l'a dit, on a la meilleure équipe de défense du tournoi G2, la meilleure équipe en attaque héroïque. Donc ça, c'est parfait, c'est un beau combo. Oui, c'est important, c'est surtout pour G2. Ils ont un streak en cours, ça s'arrête. Quel genre de questions on va commencer à se poser? Ah, ça y est, on gagne plus. Très difficile à prono. J'ai tenté 3-1 G2 hier, je suis un peu moins confiant aujourd'hui parce que l'ancien, je ne suis pas incroyablement convaincu, mais un BO5, vous savez, c'est très long. Des fois ça dépasse les maps aussi, ça, c'est ce qu'on a encore comme énergie, comme mental, les conséquences qu'il y a eu pendant les premières maps. On se souvient de l'année dernière, j'ai domaine 15-7 throw, alors que c'est sans doute pas le même BO5, donc c'est tellement long un BO5, ça peut tellement se retourner que à mon sens, à partir de la map 3, les maps ne veulent quasiment plus rien dire. On est focus sur ce qu'on sait faire, sur le momentum de la carte, etc. Donc c'est pour ça que le début aussi, ça nous donne une tendance de quel genre de BO qu'on a vu. Cologne, après la première map Navi Phase, tu comprends que tu vas avoir un BO5 de folie. C'est vrai. Tu le sens. Et c'était aussi, pareil peut-être. Le BO5 de Katowice. La fatigue en BO5 peut-être qu'a plus d'importance. Aussi, et à ce jeu-là, je pense qu'Heroic est meilleur. Ouais. Ils ont été réputés, j'en ai perdu quelques BO5 contre Heroic, j'ai dû en casser. Quelques marathons. Ils sont plus forts, ils sont plus résistants, je trouve, pour un marathon. Même s'il y a de la jeunesse chez G2, je pense que Heroic, c'est vraiment leur point fort. Donc plus le match va être long, plus à mon sens Heroic semble mieux armé, ne serait-ce que parce que collectivement ils sont supérieurs également. Il y a ce genre de choses qui pourraient arriver, enfin bref. Parce que là, demandé, je commence, toi tu mets quoi du coup? Bah moi honnêtement, enfin je suis très fan des Heroic, impressionné quand même par la performance des G2, mais encore une fois je penche plus pour l'équipe qui collectivement est le plus en place, et c'est pour ça que je penche quand même pour les Danois sur cette finale. Alors je vois pas un 3-0 sec non plus. Et dans le chat, on est à combien? On est Heroic ou G2 sur pourcentage? J'ai pas trop vu. Moi je suis un petit tronc Heroic, tu vois. Ah toi aussi? Ouais. Qui a gagné les prédics, les mecs, hein? Heroic ou G2? Je pense que le public français sera plus G2. Bien sûr, moi c'est également mon souhait, mais il y a aussi la réalité. Beaucoup de G2, hein. Ouais. On a vu que, en tout cas, sur les derniers BO dans ce tournoi, un Heroic est au niveau de G2, c'est ça. Alors, de manière différente, comme j'ai dit, je pense que c'est plus flashy côté G2, mais la qualité collective d'Heroic a été aussi excellente. Leur demi a été excellente, même si je trouvais Navi pas bon. Ils ont écrasé Vitality. Ouais. Écrasé. Ils avaient très dominateur OG, ils avaient un peu mal commencé leur tournoi en perdant une map contre Complicity, mais qu'on a vu par la suite a fait un très beau tournoi. Mais sur le reste, c'est quand même parfait, hein, le tournoi que fait Heroic. Hein. Et puis ils ont un map pool, encore une fois, ils sont vraiment capables de jouer sur... Et je pense qu'ils aiment bien leur statut là. On les met pas en mode ils doivent gagner. On parle que de G2 en réalité. Ouais, le Streak, le Nuke, Inferno, les 19 maps. Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes, je pense, pour Heroic. Et alors, Kadian, il adore ça, Kadian. Hein. Oui. Être outsider, être détesté. Je pense qu'il adore pouvoir potentiellement casser les streaks. C'est ce que je disais tout à l'heure en off. Je pense que ça lui convient parfaitement alors qu'on va se lancer ouais. Cette première carte. Tu parlais de streaks et ouais, c'est vrai que pour l'instant, sur nous, qui sont invaincus, les G2 depuis maintenant. Invaincus avec cette line-up. Ouais. Jamais, ils sont perdus. 100% de win rate, tout simplement. Et tu l'as dit, c'est vrai que ce side d'attaque, à eux en tout cas, ne leur fait pas peur. On va voir, ce sera intéressant, notamment XT. Comment gérer le Kaniko? Oui, dans les deux sides d'ailleurs. Ouais. Comment gérer le Kaniko dans les deux sides? Il a un bon client quand même, qui est Stone. C'est vrai. Un excellent client, il est très bon sur Nuke. Aussi, il peut péter des câbles sur les Nuke. Je trouvais qu'il avait pété un peu un câble pour ceux qui ont suivi le match de la Blast. Entre
C'est parti, le public polonais qui est déjà très très chaud. G2 en attaque pour essayer déjà de se mettre en confiance. Et on part sur un petit rush inté sans stop. On sort, on saute les lignes. Chouche qui va rester calme pour l'instant. On va jouer en reprise. Kadian également attend ses coéquipiers. TZS est déjà dans le dos. Il va falloir s'y attendre ça tout au long de ce BO5. Il intercepte GK de l'autre côté. Hunter qui a un petit peu de mal à enchaîner au niveau de cette force. Ça part dans tous les sens sur le pistolet. 3 contre 3. Oui, il y a Nico dans les conduits. Oh, on a l'info de Yabli, les 3 qui parlent bien, qui communiquent bien. Oxy, son Kadian, le dernier, le pistol. Et Oxy annonce la couleur, c'est le leader, triple kill. Sur, on a bien compris avec les balls, ce pistol, ça annonce ce BO. Oh, la température qui est prise sur ce GR avec des Kadian, enfin avec des Kadian, même des héroïques. Vous allez voir qu'ils généralement sont très réactifs en défense sur les prises de zone, sur les flanques. Là, c'est TZS qu'on risque de beaucoup voir dans le dos des G2 sur ce genre de round. À eux d'être attentifs. Là, on a très très bien géré. Petit force buy pour les Danois. Un scout sur Kadian. MP9 sur Yabi. Il va falloir s'en méfier. C'est l'homme fort du moment. Oui, on a bien compris que le public est plutôt G2. Hein. Ah, on s'est enflammé sur l'équipe des Ouxy. Monte une star. Ça touche pour Kadian qui vise plutôt bien. Ouh, bien senti le deuxième saut. C'est Nico, je crois. Essaye de pressure, on passe à deux, il y a deux joueurs en bas, on sait que Heroic aime bien ce double rotation. Ouais Nico, bah ça, et à mon avis, Vepi. Et c'est là, même dans ces zones-là, il s'y attend, c'est déjà du 5 contre. Il est très très rapide sur sa routine Nico là. On a évité ce double piège, on sait qu'il y avait un petit peu de monde dexté hein, parce qu'on a été mis sous pression. Et Nico est tout seul hein, pour l'instant. Vous voyez ses coéquipiers qui continuent de freeze, dexté, on attend une réaction des Heroic, on les sait très mobiles. Donc oui, là, c'est ça, hein, ça va être le plan Ouxy, de jouer calmement quand on a notamment les entries pour rentrer sur l'over-rotation souvent proposée par Heroic. Et c'est là, on va voir si Heroic vraiment garde ce style de jeu ou s'adapte à ce que les G2 vont proposer mid-round. Oui, et par contre, ça veut dire que pendant près de pas mal d'heures, ils vont vouloir s'adapter G2 à Heroic aussi. C'est pas facile, quand ça va, il faut régner un peu son jeu. JKS qui est dans sa forme olympique, on le sait. C'est un petit force buyer, un petit vraiment perfect qui est en train de se dessiner. Est-ce qu'il y a intérêt à aller chercher Kadian? Est-ce que ce scout pourrait être chiant sur le Hunter. Prochain point? Hunter, oui. Je pense qu'il peut y aller avec son MP9. Et je pense que c'est la condition. Il est suivi, mais de loin. Et on va comprendre. Je pense qu'on peut comprendre rapidement. Okay, c'était, il reste que la rampe en option. Alors, on va y aller timidement du côté de Hunter. Après, il a 100 points de vie, hein, donc il peut tanker une balle. Si elle n'est pas dans la tête. Il est le seul, hein, Evesti, les autres, on garde les grosses armes. Kadian, il va mourir là. Ou il faut headshot instant. Hein. Bien joué. Très très propre, G2. Qui a également eu beaucoup de rythme sur ce passage XT. Oui, oui, ils sont dans ce qu'ils savent faire. Et là, on voit, sur ça, on lui fait pas. Je connais le garçon. Ah, une fois qu'il a pris l'info sur le premier coup d'épaule, TZS avait. Il sait que la position n'est pas adaptée pour un seul homme. Autant engagé. Ah, les premiers dieux hein, dans la tête pour la confiance, pour lui, c'est oui. Important. Pour lui, oui, c'est vrai. C'est un homme qui n'a pas toujours été en grande forme en finale. Là, il sent qu'il est dans, comme il l'a dit, dans la forme de la vie d'une équipe. Et ça lui donne de la confiance aussi, hein, de sentir qu'il peut être moins bon. Il y a quand même les autres derrière. Et on voit par contre, ça se reprend. Ça se passe bien maintenant entre Monizy et Hunter. Oh, un petit bal de TK, ça fait rien. On veut clear ce fumigène. Alors on va envoyer Kadian essayer de faire tomber quelques armes malgré tout hein, sur ce round de toute façon qui est quasiment perdu déjà pour les héroïques. Se mettre en confiance. Et le premier round armé va être extrêmement important. Je regarde un petit peu les excédents. Kadian n'a pas tant d'excédents que ça. Hein, ouais. Le snipe ouais. Sera possible mais. C'est lui qui a investi le scout je crois de lui-même. Donc forcément un peu plus complexe. Il aura son snipe avec un petit M. Ses coéquipiers sont très très bien. On n'a pas fait de folie là sur cette écho sèche. Et ça va être un premier gros test ce round armé. Comment est-ce que les Heroic vont gérer l'Ecté? Est-ce qu'on va se battre face à Nico? Est-ce qu'on va lui laisser de l'espace? Est-ce qu'on va renforcer un petit peu le secret, le labo? Ah, le public qui essaie de jouer le rôle de sixième homme, si je puis dire, un peu compresseur pour les G2. On a vu que ça avait servi à rien pour Fury contre Heroic. Hein. C'est pas ça qui va les gêner. Allez, Molo sur le cap pour empêcher l'Heroic de s'installer contact. Jabi et Ouxy qui s'affrontent pour la première fois aussi en tant qu'ancien teammate.
Est-ce que ça veut se taper? XT, il est où? Non, pour l'instant, il est au niveau du B1, Stone. Ouais, c'est Kadian qui est. C'est TZS, pardon, qui ne fait pas le choix de la rampe. Normalement, c'est le joueur de la rampe. C'est Kadian qui s'occupe de la rampe. Lors du dernier match, les deux avaient proposé peu de jeux de rampe. Ceux qui avaient suivi la game, notamment contre Navi. Alors, l'intention de Nico sur ce mur de fumée. Est-ce qu'on va s'en servir pour aller B1? Est-ce qu'on va le traverser et pourquoi pas aller chercher le Mac? On disait, il y a TZS. Oh, il va quand même trouver Stone. Ça, c'est un plan de jeu. Nico traverse beaucoup ses smokes en ce moment. Et c'est dommage qu'on perd Stone parce que ça, le plan de jeu, c'était vraiment pour que Nico traverse et qu'on puisse potentiellement, attention les flashs, Kadian est une bonne position, il arrive à tenir et ne tombe pas surtout, c'est très important. Ah, il fallait pas qu'il rate son saut. Derrière, c'est compliqué, on va réussir à dézoner TZS. On s'installe au niveau de cette rampe, mais on va pas accélérer pour l'instant. Il reste une quarantaine de secondes pour jouer ce 3v4. Ah, avec oui, le dernier. Où est-ce que... Qu'est-ce que fait JKS? Oh, Kadian, c'est quel prix. Oh, et ça paye, et puis il y a la bombe surtout. Oh, il se rate, c'est important. Oh, oh, le triplet de Kadian dans cette rampe. Qui veut lâcher aucun bout de terrain au G2 et ne veut pas laisser respirer. Et derrière, se chouche tranquillement. En patron, son premier round d'armée. Les héroïques. Bon, petite erreur, on va dire, de setup XT qui coûte un joueur. Mais globalement, Kadian notamment, a été parfait. Il n'y en a pas trop lu, que potentiellement vu que TSS, mec de rampe, c'est le sniper rampe. On l'a pas trop lu, tu vois. Regarde, on était déjà Hunter et je crois il est molle aux mains lorsqu'il tombe. Il voit plutôt le snipe Baesh. Et là, Kadian, alors j'imagine qu'il avait. Ça, c'est rapide. Il avait un filet de sécurité peut-être derrière, j'ai pas fait attention. Il y avait déjà un deuxième joueur là-bas. Oui, ça peut expliquer du coup son agressivité. C'est des connexions respectées. Cette fois, c'est bien qu'on va le retrouver. Prêt à punir sur une sortie porte. Et cette fois il n'y a pas de Nico XT, donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Les deux jouent à 5 ensemble. Et surtout il y a par contre, on peut pas faire, il y a un énorme gap surtout qui a été créé par Heroic. Ils sont au courant qu'il n'y a personne XT. Il n'y a pas de Nico infiltré comme souvent on peut l'avoir, on est sur une exécution AT peut-être qui sera d'ailleurs fake, hein, on ne sait pas. Ils sont au courant, regarde, Kadian revient. Oh, c'est... Ah, il n'y a pas de smoke là. Ah si, je croyais qu'il n'y avait pas de smoke, pardon. Ah, ils sont que 2 AT par contre, hein, les Heroic. C'est bon, 3 maintenant. Autant pour moi, j'avais pas vu le retour du troisième joueur. Le contre-stuff est bon pour l'instant. Les G2 sont obligés de temporiser, mais il reste plus beaucoup d'utilitaires là. Du côté de l'attaque, faut y aller maintenant. La flèche est bonne, on sort un petit peu trop tôt. Elle n'a aucune efficacité finalement sur cette défense. Et c'est un échec pour les G2 pour l'instant, parce qu'il y a encore quand même pas mal de ressources. Ah, il ne reste déjà plus que Nico. Là, la question que je me pose, c'est, tu vois, je voulais pas m'enflammer, mais on a vu que G2 récemment. C'était beaucoup de rounds retournés aussi. Et on va voir dans ce match, est-ce que, contre Heroic, on va aller retourner tous ces points? Hier, face au Liquid, ils mettent quand même un 2v5, 2v4. Le 1v3 de Nico. Aussi. Le 2v5 d'Inferno d'Hunter qui a sans doute coulé la game. Hein. Et il y avait contre FaZe. Je viens de FaZe sur Nuke. Où il y en a eu un paquet également. Mais là, j'ai confiance en Heroic dans ce genre de round. Oui, c'est pour ça que je. Pas le genre d'équipe qui perd des 4v2. La question, elle est un peu orientée. Ouais, ouais. Tu vois? En tout cas, belle défense sur la sortie 1T qui est connue de G2. Le fait qu'on a éteint notamment cette smoke, hein, on a laissé le gap, on était sûr, on était très nombreux pour accueillir cette attaque. Et Kadian pour l'instant monte l'exemple, hein, le capitaine. Attention à pas trop le chauffer Kadian, hein, parce que lui quand il donne un bonjour... Je suis d'accord avec Varka, hein, je pense que lui aussi en termes de duel il a son prime Kadian, il est vraiment performant, hein, il y a de très très belles choses de la part du sniper danois. Bah là il a son équipe de rêve, hein. Il joue avec une équipe complète, agression XD, on va taquiner Nico. Bon c'est de l'écho pour les G2. Je pense qu'on voyait pas de l'écho côté Heroic, tu vois. Quand même d'être aussi agressif pour de l'écho. Là ils ont compris mais auparavant. De la réussite sur Oxy. Et là c'est surtout financièrement, hein, que les Heroic doivent se mettre bien. Alors, est-ce qu'on va faire tomber plus? Non. Jabi. Ça se reprend, 5 kills pour lui déjà Jabi. On le rappelle, hein, Jabi pour l'instant qui est le meilleur joueur de ce tournoi. Quand tu commences ce tournoi et que tu fais une ligue fantasy, je pense pas que tu mets Jabi. Ah, maintenant on va commencer à y penser, oui, mais c'est vrai, ouais. Généralement bon, tu penses à DZS, Stone aussi. Ou bah c'est gars là qu'on voit là. Et première pause de cette rencontre sans doute par G2. On voit très clairement dans le premier round armé, on est pour contrer les routines Nico. Et ensuite, on était en setup pour contrer la sortie cap. Donc ça va imposer les G2, qui est complètement dans leur jeu, à peut-être modifier un chouïa leur manière de jouer. Et Heroic semble avoir identifié des rounds vraiment importants à contrer. Hein.
chez G2. On va voir si ça peut continuer. Un stade plein avec du bruit, hein. C'est pas incroyable, je trouve, les autres jours, mais là on entend ça. Là, ils sont très très chauds, c'est la finale et tu l'as dit, un petit peu parti pris quand même pour les G2. Oui. Alors au moins c'est mieux qu'avant, il y avait une période où ça sifflait même héroïque. Là il y a un peu d'applaudissements mais on n'a pas sifflé, je trouvais ça un peu fort. On a le droit de pas aimer l'équipe mais de là... Le problème c'est que plus tu les siffles, plus tu les nourris aussi. Hein. Oui, peut-être que les gens arrêtent pour ça. Hein. Et les mecs, surtout pas, on les siffle pas, on les encourage, on leur dit bravo. Pour faire tilter Kalyan. Ouais. Bon, 3 rounds armés en tout cas d'affilée en faveur des héroïques. On va retrouver Nico excité face à Stone qui sera un petit peu le fil rouge de cette première carte. Voilà. Qui s'est complètement troué au passage. La TZ, je sais pas, je trouve qu'il s'est endormi. On va aller le chercher. On a compris que JKS est seul et on va comprendre que c'est. Il est porte, non? Ah, Yapi n'a pas totalement compris. Le problème, c'est qu'en fait, il est porte, mais c'est pas s'il est à gauche ou à droite. Peut-être c'est pour ça qu'il n'ose pas avancer. Et Nico, pour l'instant, on retient Nico, ce qu'on en a parlé, Spadji. Nico est tenu. Le coup de souris. Non, il n'y a pas eu de coup de souris pour Kalyan. Et ça enchaîne du côté des G2. Là, pour l'instant, c'est aux individualités qu'on fait la différence sur ce round. Ah, est-ce qu'il peut faire un truc, Yapi? Bah la bombe, regarde la bombe, regarde la bombe. Oh, alors ça c'est un gros raté. Et par contre, attention, on va chercher à le choper. Voilà. Et là. Première glissade. Oh. Non, il reste Jabi mais on le sait. Full HP. Qu'est-ce qu'il peut faire Jabi là-dessus? C'est dur hein. Oh c'est pas secret, il attend secret. On savait qu'il était si low il y a quoi maintenant, une vingtaine de secondes. Ouais, je crois qu'on arrive. Voilà. Okay. Attention, et je crois qu'il a les deux infos. Hein. Hunter a récupéré la bombe, mais il faut le faire passer. Il le joue pas. Jabi, il y a une flash. Il comprend. Alors. Ça va à grande échelle. Oui, ça va à grande échelle. Il a une smoke pour éteindre. Oh, qu'est-ce que j'aime son style. Yabi très agressif. Il veut pas les laisser respirer, mais là c'était compliqué. Sur ce décalbé 1. Une glissade était possible. Hein. Clairement. Mais il y a eu des petits ratés là côté héroïque et ça a coûté cher. Hein. Je pense à l'agression de TZS. On va voir. J'ai pas compris là. TZS qui était sans doute 4 tiers focus autre chose. Ça aurait été bien qu'on soit sur sa vue. Je pense que c'est là que c'est plus parlant. Et l'autre petit raté, ben, c'est Yavi justement sur son silo qui aurait pu tuer le bomber beaucoup plus tôt. Ouais. Même ce duel hein, quand même, il était pas incroyablement propre aussi. C'est là vraiment où les héroïques vont devoir répondre. Hein. Allez, premier round important de cette game. Même situation économique, soit G2 creuse l'écart, soit héroïque qui t'en passe de passer devant dans ce side de défense. Ah, la grenade est pareil, pas inintéressante. Donc s'il perd son casque. Travers de Stone le long du B1. Stone a une mission, c'est bully Nico. Hein. Ah là, j'ai l'impression qu'en tout cas, il a pas mal de réussite. Hein. S'il connaît un petit peu ses routines de passage XT. Je crois que ça a été vu, non? On a pas vu un petit peu de. Il y a double rotation. Oui, je pense que ça a été vu. Ça a été informé. TSS est rejoint JB en position. Alors comment on va réussir à jouer ensemble là du côté de Yabi et TZS? Est-ce qu'il y en a un qui peut bait pour l'autre? Alors c'est Nico Milo... Ouais, alors là déjà ça va être un peu... Est-ce qu'on a repéré que les molos de Nico sont pas profondes? Oh, il va mourir. Il va avoir que les têtes, il va avoir que les têtes. Nico peut être one shot. Ouxi également. Il va prendre en tête à travers les escaliers pour instruire sur lui. Molo réaction. On va laisser Moniser tout seul jouer ce duel. Oh, c'est un petit peu désolidarisé là du côté des G2. Il est pas beau ce round. Ouais, et on est en train de voir celui qui est en route pour le MVP peut-être. Magnifique round de la 17 Molo. Est-ce que, tu sais, je me pose la question si on savait que quand Molo, c'était pas nickel nickel. C'est un truc qui s'anti-strat en termes de stuff en réalité. Parce que là, Jamie à aucun moment s'est dit est-ce que la molo est ratée ou pas. Il n'a pas bougé. Beaucoup de sang-froid. Ouais. Regarde, il sait qu'il peut être tranquille. Magnifique rune. Hein. Et là, on laisse Monizy tout seul jouer le duel. Ses deux coéquipiers repartent à gauche. Et Echo. Ouais. En tout cas, Heroic avait une. On le comprend. Hein. Je trouve que pour l'instant, leur mission, c'est de faire des dégâts sur Nico, notamment XT, sans le jouer, mais en essayant de le gratter. On sait par exemple Heroic c'est une équipe qui est restée beaucoup à la M4 silencieuse, ce qui est l'inverse de G2 d'ailleurs. Hein. Oui c'est vrai. Position de style en termes des M4 qui est trop facile pour Gadian. Voilà, normalement on doit deviner que c'est de l'écho. G2 a mis 40 d'armée juste avant mais avec simplement 2 survivants. J'ai encore une fois un start pistol hein, sans prendre le force. C'est la clé aussi de ce PO, est-ce qu'ils sont capables sur toutes les cartes? Ils ne ratent aucun start. Il y a toujours le force. Ou alors quand ils ratent leur start, il y a 13-2. On s'en fout. Limite. Et on sait que les héroïques, même quand ils ratent leur start, il y a toujours une réaction à un moment, une adaptation, surtout en défense, qui leur permet au moins de limiter la casse.
Là, il devrait récupérer, je pense, le lead pour la première fois dans ce side. Mm-hmm. Un petit 5 à 4 qui se dessine. Très rare d'avoir le lead sur Nuke contre G2. Ouais. Et ça aussi, c'est une force d'Heroic, c'est que c'est les joueurs d'équipe contre les échos qui perdent pas beaucoup d'armes. C'est vrai. Et c'est important. L'année dernière, c'était une équipe qui a 90% de réussite en anti-écho. Ouais, en anti-écho. Genre, on prend même pas les rounds, quoi. Mm. C'est vrai que ce serait intéressant, les clean sheets en termes de stats. C'est une stat qui n'existe pas, si je ne m'abuse. Il y a bien moyen qu'ils en aient fait une quand même, mais qui n'est pas mis en valeur. On voit Kadian, voilà, on prend pas de risque, il y a déjà un joueur en soutien. On a constaté un petit peu d'utilitaire. Il perd personne, et ça c'est très important. Beaucoup de sourires. C'est vrai qu'il avait été relevé que la finale du Major, ils avaient été tous le visage très fermé tout le long. Bon, ils n'avaient pas eu le temps, mais même en début de game. Là, on en a vu même un sourire, même à 3-1 quand ils mettent le premier round. Et puis le style de James les a un petit peu endormis peut-être. Aussi. Oui. Pas que, on les rassure. On était beaucoup. Alors, on va retrouver. Oh, le rush hanté. Petite facto. Ah, oh, c'est compliqué pour GKS. Ça se moque mon pied. Ça a été vu par Yabi. C'est compliqué derrière le deuxième temps. Et on va annuler, j'ai l'impression. On va annuler. Quoique non, on sort un petit peu en deuxième temps. Ah, c'est décousu. Ah, bon, c'est très décousu. Oh, c'est pas beau ce qu'on voit. La bombe est passée, information de départ. T'as entendu encore Snow, toujours. Ça va être peut-être le fil rouge hein, de ce BO entre ces deux hommes. Monesi qui a entendu pour un 1 contre 4. Okay. Le qui est planté. Il ne sait pas, mais il peut planter la bombe. Il ne le sait pas. Est-ce qu'il a envie de planter la bombe pour assurer économiquement ou est-ce qu'il veut pas tenter quand même Je pense qu'il se dit de base qu'il peut pas planter la bombe. Déjà, okay. Un petit faire mieux. Ah là, ça va jouer sur contact de stone. Peut-être pas. C'était pas malin de part de TGS, mais ça a buté. C'était pas beau par contre, hein, cette sortie à un TDG2. Ça risque de prendre une nouvelle pause. On a un JKS qui force Smoke Pompier Porte pour sortir. Ses coéquipiers hésitent un petit peu. On y va les uns après les autres. Et on parlait du mental. C'est vrai que pour l'instant, Nico, tous les premières balles qui tankent, c'est toujours des traverses Smoke. Hein. Oui. Tacha, est-ce qu'on fait le round où JKS va dans la smoke porte et on sort? Non. Ah, pour faire le round de ce petit Kaba, on se répète hein, dans les calls. Ou avec Nico en timing ici. Oh, oh, attention, on n'est pas cover du côté de Yabi. Oh, le petit round tech 9 qui est en train de passer peut-être. Kadian qui veut directement compenser, c'est dans la tête de Monesi. Ouais, le stuff est bon, mais on n'est pas assez tranchant là sur la reprise TZS. Ouais. Une communication qui a tellement mal circulé, pas de joueur P1. Nico qui arrive à courir directement. Bah, c'est fini, hein, de toute façon. Oui, c'est fini. Ouais. Regardez, le side n'est pas terminé, n'est pas foutu. Ah, très curieux, il y a un joueur qui essaie de. Qui n'entend pas sans doute avec le bruit des stuffs. Mais ce qui est étonnant, donc Stone, on comprend que Stone était en bas. La question que je me pose, c'est où était le snipe, je pense, grande échelle. Mais il n'y avait pas de communication d'un passage bien possible, en tout cas, ça c'est certain. Ouais, le souci d'Héroïque, hein, le rune est perdu, on a un petit peu d'argent, on va empêcher G2 quand même de conserver un maximum d'armes. On va essayer de voir, j'imagine qu'on va remontrer l'action de Nico et de comprendre où était l'un des joueurs. C'était sans doute une communication qui n'a pas été bonne. Dans le Kadian revient très rapidement à échelle. Alors, on a un qui est C2, on le sait, la mini-map. C'était un peu loin d'ailleurs, mais c'est normal de tuer l'autre. JKS met une banderille. Oui, moi je pense qu'en fait, il n'y a pas la communication de l'extérieur. On n'y croit pas en fait. Tout simplement, si on a le temps avant de voir venir bien. Bah, la tentative de Nico a fonctionné. Lui qui pour lui. Et pose tactique cette fois demandée par les héroïques. Ouais, sans doute de continuer qui sont dans le jus. C'est sur un petit achat qu'ils se sont fait avoir. Ça ne crée pas quelque chose pour les G2. Avec Zist, on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, hein, généralement quand on parle des héroïques. Hein, oui, c'est vrai, bon, c'est quelqu'un de discret. Même contre NIP, ouais. On parlait pas non plus. La grande époque NIP, c'est pas Zist qu'on parlait non plus. L'homme discret. Qui a re-signé pour 2 années supplémentaires, si je ne sais pas, quelque chose comme ça, ouais. Bon, ils ont à peu près tous re-signé hein, en réalité. Alors, voyons voir. Du coup, on veut s'adapter immédiatement avec un joueur présent sur le B1. Avec Stone derrière, donc on a eu vraiment cette crainte de cet espace ou de potentiellement quelque chose qui pourrait être joué de la part des G2. C'est pas vraiment le cas. Et là, Nico sans stuff hein, qui avance, qui prend les premières lignes, alors potentiellement il y a un snipe face à lui, il a pas peur. En fait, c'est juste un principe, il voit là, il voit que le snipe décale pas, il passe à gauche. Et en réalité, il a raison. Il
y a pas de mec qui te décale ou qui te flash sans stuff. Voilà pourquoi ils vont faire la même de smoke quand même. Ouais, cette fois c'est attendu quand même par Chouche. Ah non, autant pour moi, c'était un passage rampe du côté de ses coéquipiers. En tout cas, on voulait lui donner ce même timing, il a dû informer j'ai un trou. Et la datation instantanée, on l'a dit, de Heroic. Il y avait deux joueurs pour Nico. Et là on est en échec, du coup ben, il faut reset le rune. On le voit, on va retourner XT, on a les fumis pour. Enfin, on en a deux sur trois. On va y aller. Oh, il switch. Il était en train de... Oh non. On fait de Smokey Switch, quelle erreur de la part de Justin Chicas, pardon. D'habitude. Aïe aïe aïe, on perd son point d'appui. XT, est-ce qu'on va avoir l'information du côté des Heroic? Non, mais on doit s'en douter quand même fortement. Regardez, hein, sur la mini-carte, on a déjà TZS et Kadian qui sont descendus. Oui, on a fait tomber le Lurk surtout, donc on comprend. C'est de la logique. On réagit bien, hein. Ou autre, on s'assort comme ça. Ah oui. Ah, il pensait vraiment être tranquille à ce point? Ouais, TZS est bien cover en plus. La part Kadian qui rate sa balle, ça c'est rare, ça coûte très très cher. Ça va. En vrai, ça va. Bon, ouais. C'est chiant pour TZS, c'est tout. Et on s'en sort très très bien. Je trouve que Heroic arrive parfaitement pour l'instant à comprendre, en tout cas en défense, ce que j'ai où en venir, à part ce petit achat. Les trous sont comblés. On fait tomber le Lurk. On rotate. On comprend, c'est vrai que G2 quand ils sont à XT, c'était pas à 2-3, c'est à 4. Nouvelle pause. Et ce serait bien d'ailleurs qu'il retente à 3 XT, qu'il y a un travail à 2, un T. Plutôt que GKS solo. Ouais, c'était un bon petit miss. Ça rend. Je demande Kadian. D'habitude c'est un 12 kill, il est dans ce bureau en tout cas. Et j'ai l'impression là depuis peut-être un an, maintenant, il y a beaucoup plus de post tactiques sur les premiers sides. Avant c'était beaucoup de post tactiques sur les fins de match. Ouais. Bah tu peux. On arrivait dans oui, le détail, plus ça se multiplie. Maintenant le premier side on sent que c'est quand même très important. Ouais, tu veux être à la guerre quoi. Ouais. Ça te conditionne quand même sur un BO. En général quand c'est serré dans la première side et on va dire le début de deuxième partie de side, tu sais que tout le long ça va être serré. C'est vrai, on conserve moins ces post-tactiques. Ah, c'est une nouvelle demandée par les G2 qui rachètent un Uxie au Mac 10. C'est ce qu'on peut envoyer devant. Pour l'instant c'est un start assez classique j'ai l'impression, mais il y a du monde XT, il y a beaucoup de monde XT. Kadian qui avait une ligne compliquée. Oh et... Ah mais les molos, on a mis double molo. On en a remis une derrière la molo de base. Il a abusé des bonnes choses. Et un spray un peu dégueulasse. Du coup on prend l'espace, on sait qu'on a tué le mec d'XT, donc il y a de l'espace. Enfin la reprise à deux par... Ouais. Mais on sait que si on n'a pas vu le snipe est en bas. Donc là c'est lui aussi par G2 que... Il va y aller quand même. Ils sont très naïfs hein, sur la reprise de la boule G2. On a Monesi qui tourne et, le dos aux SK. Hunter, pareil, qui est pas du tout cover. Hein. Si ça reprend par... Non, ça va. Pour l'instant, les Heroics sont assez passifs. Heureusement pour eux, d'ailleurs. Ouais, mais tu as raison. Hein. C'est juste... Il se dit que le timing, il est en respect, en fait. Mais en vrai, s'il y va... Elle a une bonne ligne TZS. La ligne cassée de TZS avec l'avantage de l'ombre, en plus. Laisse aucune chance à Nico. Par contre, l'Inté, il s'en fout. Et Hunter indique que c'est reparti rampe. Et là, et voilà. Oh. Ah bah, à bout d'un moment. Oh le mais il y a encore un raté. Et là, il a l'info B1. Ils ont pas l'info Hunter par contre, si je ne m'abuse. Hunter est descendu? Oui, il est toujours à échelle. Il est toujours dans le coin là avec Monesi. Mais on a un joueur en bas, hein. C'est Kadian. Et un autre joueur qui va en bas. Ils les ont read. Ouais. Est-ce qu'on va mettre le fumi fenêtre? Ok. Kadian qui est un petit peu en échec pour l'instant. Du coup c'est Chouche par la petite porte qui va essayer d'intervenir. On l'ouvre la prochaine peut-être. Il prendra au moins Monesi. C'est une bonne chose de faite. 2 contre 2. 14 secondes, il va falloir commencer à amorcer cette bombe. Oh non, il va le tuer. Même pas. Oh non, il a reçu aussi. Oh, il y a de la réussite là, par contre pour les Heroic. Hunter n'y a pas cru. Et c'est round. Et c'est round. Oh, il le joue. Il le joue, quelle confiance. Oh, quel bon read aussi. On ne veut laisser aucune miette. Je pense que c'est TZS, quand il meurt, je suis le mec de rampe, ils vont descendre. Je pense qu'il y a une com qui circule en urne. Ils vont être en bas, ils ont pas l'info sur juste qui est un joueur de l'Inté. Donc je pense qu'ils se sont dit, c'est pour ça qu'ils vont à deux directement. Ils ont anticipé la mort du joueur rampe, c'est une communication qui a été très fluide. Et regarde, en fait, il y a double molo, non? Je crois qu'il est freiné par une grenade, non? Oui, il y a grenade, c'est sûr, mais je me demande si c'est pas double molo. Voilà, tu vois, il a re-reçu City, il a fait même pas une demi-seconde, Hunter. Parce que Yavi a vraiment temporisé pour ouvrir cette porte. Allez, cette fois, elle sera vraiment éteinte. Et on passe. Cette molo. Alors, ce sera pas entendu, mais bon, ça a déjà deviné. Hein. On a un shoot bloqué. En bas. On la traverse ou pas? Ouais, aussi, va la traverser. Ouais, suivez.
Ah, il y a des dégâts, mais il y a qu'un kill. Et encore, c'est un TK. Kadian qui va rater sa balle. Ça offre un petit peu d'espace. Ça a tellement les rides. Ouais. Oula. Oula, il a beaucoup de points de vitesse. Faut qu'il s'applique. Et il est protégé. Bien joué. Je pense que c'est le fameux fait que chez deux joueurs, soit en première attention à l'intérêt, qu'on se méfie, soit ils sont 4XT. Et tu as vu que pour l'instant, il n'y a que de l'évoir rotation de la part d'Heroic sur ce super truc-là. Rapide. Hein. Ouais, ça veut dire qu'en fait, là, ils ont compris que le jeu de G2 sur Nuke semble être à ce stade trop linéaire. Il faut juste respecter une chose qui est quand même très compliquée, c'est de ne pas leur donner des kills à G2. Et c'est ce qui se passe. Et on est sur un bon side parce que s'il n'y a pas le pistol pour G2, il y a une domination. Pistol et un petit achat. Et on est déjà au dernier round du premier side. C'est passé vite, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sides rapides. Oui, oui. Et on verra encore. Parce que G2 a le side de défense hein, pour tenir. Hein, donc on est très, 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 très loin d'être fait. Allez chercher un sixième point peut-être pour eux. Un Nico c'est pas beaucoup plus passif, XT. Pour l'instant on temporise. Ah, on va aller chercher rampe je pense sur un boost. Ouais. Y'a personne rampe. Y'a personne rampe. Bah y'a pas eu de rampe, que tu te souviens je t'ai dit la fois, ils n'avaient pas joué beaucoup la rampe. Mais quand même. On est plus en mode si on bully Nico, on bully G2. C'est ça en fait. Et ils ont pas tort hein. Ils sont déjà deux en bas par contre. Oui. Bah. Vu que la rampe, en général, de nos jours, la rampe, tu la prends pas sans stuff. On vous laisse une extrémité, mais bon, maintenant la question c'est qu'en faire. Ah, c'est bien analysé. Cette nuque est très bien préparée. En tout cas, sur son side de défense, c'est un exemple de prépa match qui peut-être aussi pointe les défaillances insuffisantes dans la tactique de G2, peut-être hein, aussi, hein, qui manque encore des petites choses. Et là, ils sont perdus parce que Nico voit personne XT. Eux, ils ont pris la rampe, ils ont vu absolument personne. Que concoctent les héroïques? Où sont-ils? Est-ce qu'on a renforcé le bomb site? Ah, est-ce qu'ils sont trois sur le bomb site inférieur? Ils savent pas du tout à quel sens se vouer. Ils ont encore du stuff en vrai, héroïques. Et des molos. Si ça répond quelque part, je ne sais pas où d'ailleurs, mais ils sont plus en bas les stuff. Ils sortent déjà, je crois. Ah, Kadian qui meurt. Allez, chouche au niveau de ce Matteo. Tiens, une première élimination facile. Yabi qui s'est très vite retiré après son kill sur JKS. Hunter qui était attendu par chouche. La défense est parfaite sur ce bomb site supérieur. Ouais. Nico tout seul, mais il a pas le temps. Pour les stats, il récupère un petit peu supplémentaire, mais super side des héroïques. Oui, un exemple de préparation de game. Ils sont solides en plus individuellement aussi. Hein. On avait vu un peu de loupé dans le début side, mais ensuite. La puissance collective pour l'instant a dominé les agilités de G2. Hâte de voir.
La régie en Pologne, s'il vous plaît, le son on enlève. Pistol ou force buy pour les G2, c'est obligatoire s'ils veulent remonter. Oh, il y a des kangourous, il y a des kangourous face à JKS. L'Australien s'y connaît pourtant dans le domaine et il le prouve pour l'instant. Il enchaîne deux headshots, 3 contre 3. Cadian, Karatini sur Hunter, finalement balayé par Oxy. Ça se trade comme sur le premier pistol. 2v2, les deux meilleurs joueurs statistiquement. Héroïque en vie. Oh, ils ont tourné un T. Incroyable. Je vois pas en quoi ils se sont dit ouais on peut être un T sans problème alors qu'il y a un mec Baesh. Tu sais, non, il pourrait être échelle. Est-ce que j'ai deux faut pas croire que c'est en bas? Après leur 1v2 catastrophique face à Apex. Non c'est bon. Oh la ligne cassée de chou. Non, Oxy, il est tellement fort Oxy sur les pistoles. Mais Jabi, le road to MVP c'est maintenant. Et c'est bien, ça joue ensemble. On se quitte pas d'une semelle du côté de Oxy et Monesi. Il va falloir absolument se traiter. Oh là là. Mais on a planté la bombe. Attention. Ça part à une vitesse sur les duels. Ah, c'est la meilleure équipe au monde au pistol hein, depuis deux mois. De très loin, je pense. C'est même pas close. Waouh. Et heureusement qu'il n'y a pas eu cette hésitation quand ils étaient à deux. De se dire, mais est-ce que c'est pas en bas? C'est vrai qu'ils se mettent pas à courir, etc. Ouais. Pourtant, le move est pas mal, le mec du bout de la porte. Hein. Il prend juste les shots directs. Il n'y a pas. On pourrait peut-être chipoter qu'il joue trop vite, mais bon, je trouvais qu'il était dans un tempo qui était pas dégueu. Alors, on a posé, est-ce que c'est un gros force buy avec du stuff? En général, ça achète. Hein. Oh que oui, avec une AK en plus sur Stone. Ah, non, regarde, ils ont coupé la poire en deux. On veut perturber l'économie, mais on veut pas tout donner. Ah, il nous fait une outsider un peu. C'est assez rare, hein, héroïque, ça peut faire normalement, même sans planter la bombe, des gros achats de Tech Knight. Là, le plan de jeu, jouer JKS. Le problème c'est que ce Monesi sera très rapide s'il n'y a aucun stuff XT. Alors TZ s'est sacrifié pour Stone. A lui maintenant de lui prouver qu'il avait raison. Ok, la smoke veut juste aspirer au moins deux mecs XT. Mais il faudra jouer donc rapidement rampe parce que Nico va dire rien. Il va juste se méfier de derrière le B1 et voilà, bien évidemment Monesi revient à l'heure. Donc ça a été un poil trop long chez Heroic. A voir maintenant est-ce qu'on peut faire la diff avec... niveau individuel. Ça va être dur, petit team cassé de Monesi, on va être focus sur lui, ensuite c'est JKS qui va pouvoir intervenir. Alors c'est bien fait, le setup est bon, la K n'a pas réussi à faire la différence, même entre les mains de Cadian. Et G2 fait ce qu'ils ont à faire, en tout cas. Ouais, des bonnes conditions en tout cas, ils sont là, ça va être le premier en achat, on a fait tomber qu'une arme, donc c'est bien pour G2, moins bien pour Heroic. Et tu me disais tout à l'heure en off en plus, c'est vrai que sur la win streak des G2, c'est la première fois qu'ils mettent aussi peu de rounds en attaque. Oui, oui, oui. Une fois ils en avaient mis 6 et ils s'étaient imposés de justesse 16-14. Donc là c'est la première fois qu'ils partent d'aussi loin. On va voir s'ils sont capables de remonter pour l'instant en tout cas. Il a pas tous les feux sont au vert. Non, il a pas vu. Il a pas l'air d'être. Après il a 12 HP, je me demande s'il l'a pas vu. Peut-être on qu'il a vu, mais qu'il veut juste se cacher quoi. Je pense que le plan de jeu c'est absolument de jouer sur JKS qui sont seul. Oh, l'incendiaire qui va isoler un petit peu Yabi, mais on va le laisser tranquille. Ce qu'on fait que Yabi va jouer, c'est regarde quoi le stuff. C'est sportif là ce qui s'impose comme rune, non je... oh. Ah, okay. Le duel de MVP. C'est MVP qui va créer l'espace. C'est risqué quand même de ce qu'il tente sans stuff. Oh, la React Hunter déjà. Dans le dos, et après il a un MP9, pas qu'il se rate. Hein. Faut vraiment pas qu'il se rate et qu'il assure au moins son premier kill. Pour l'instant, il va pas surjouer. Il a raison, parce que s'il est attendu 3v5, le round est quasiment fini. Ouais, Nico qui va se mettre à sa pause. Non, il a pas osé, il avait peur d'un timing. Non, il veut y essayer. Il sait pas, il y va. Oui, il y est. Attention, hein. Il est au FAMAS derrière. Finalement, on va pas Esh. Il y a un poil hésitant, je trouve. Ouais. 20 secondes sans une décision claire à lier maintenant. Si tu Monesi, ils sont en boulevard. Ah non, tu verras, il reste encore Oxy. Oh, il y a Piège Hunter, il y a Bi qui retombe tout seul par la radio. On ne regarde pas Monesi qui en fera un avant de tomber. Non, mais attention, ils ont l'un T. Et on ne sait pas où est Stone. Et on a perdu Cadian. Ah non, là c'est. Ah, c'est mort. Ah, il y a Oxy par contre qui est en plein milieu de la carte. Oh, s'il était allé depuis le début, Oxy serait mort, je pense. Oh, c'est culotté. Bon, bon, bon. ZZ qui tombe sur le BP et un Oxy impérial. Ouais. Sur cette fin de round. Ah, il est dur ce premier round armé d'Héroïque hein. Je le trouve surtout très hésitant. Très hésitant. Ils avaient des possibilités. Ils ont eu deux ouvertures pour potentiellement prendre de l'espace. Que ce soit le bas. Ou même là en 2v3, hein, s'ils y vont tout de suite, Oxy n'a pas l'avantage sur ce duel hein, contre Tezes. Et là en fait Oxy a eu le temps de se replacer et de jouer ces duels.
Du Tech 9, du P250, un petit peu d'utilitaire. Même si la route va être compliquée, au moins il faudrait inquiéter l'économie des G2, faire tomber des armes, pourquoi pas amorcer la bombe. Yabi qui disparaît au nez à la barbe de Hooksy. Ça a été entendu, GKS qui appelle tout de suite son sniper. Il en fait il en fait un, mais il y a du TK, on essaie de prendre très cher. Oula. 4 contre 3, attention, il y a toujours ce mec en bas. Oh, t'es... Il a entendu scope, il le sait exactement où il est. Le timing qui a failli lui être opportun. Ouais, Monessi a sans doute paniqué aussi dans sa communication. Ouais, mais c'est déjà dans le dos qui se rate un peu. Il peut descendre des S, oui. C'est pas encore complètement cuit ce round pour Heroic. M4 sur Stone. Et M4 sur Stone qui va trop à travers. Le doublé de Stone. C'est le one way, c'est pas possible. Il ne voit personne, c'est pas... Non, il ne voit personne. J'ai l'impression que c'est à gauche, il voyait un petit peu, si je mon avis, mais pas le deuxième. Oh, il tue le round sur ça. Il a raté un peu d'Ouxy. Monessi, 23 points de vie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur un retour au snipe? C'est pas possible. Oh, c'est fini. Ouxy qui n'a qu'un fameux qui se dit bon, je vais tenter quelque chose, peut-être faire tomber des armes. Heroic qui vient de mettre cet écho. J'aimerais bien qu'on revoie Stone, s'il voit passer, tu sais, sur la gauche, les mecs, un petit peu. Et le film avait l'air tellement centré. Oui, oui. Mais ça a eu l'impression. Peut-être que c'est. Allez, et ça passe. Il y a eu quand même beaucoup de failles. Hein. Oui, oui, Ouxy surtout. Attends. Ouais. Alors ça c'est un énorme fail. On a un Monessi, tu l'as dit qu'il a paniqué, JKS qui prend qu'un kill sur sa ligne. Oh non, je pense que t'as raison. Ah non, t'as raison, bien vu. Ah non, le deuxième c'est MS. Il a peut-être tiré, non? Le deuxième MS. Ouais, je pense que dans le premier le voyait, voilà, il n'y a pas... Hunter, il tire en réaction, ouais. Ouh, ça peut faire mal ça au GDO. Ce round est déjà primordial pour eux. Hein. Oui, sinon on décolle à nouveau Heroic. Ou on peut recoller. Ah, on veut fake. Fake des soucis. Oh la flèche est bonne! Oh, on a regardé pas au bon endroit et Hunter finalement avec l'aide de Kanyan! C'est quoi tous ces TK? Va pouvoir défendre sa porte! Bravo, V4. On rappelle que Heroic c'est la meilleure équipe dans les infériorités numériques de ce tournoi alors que les 5-4 c'est plutôt GKS. Faut qu'il en fasse au moins un, GKS. Faut qu'il en fasse au moins un, GKS! Ça fait bien aligné pour l'Australien. Qu'est-ce qu'il est fort à cette position? C'est tellement risqué! Ah, ça me fait toujours en première intention? Non! Il a entendu hein, la reprise de la smoke pompier, mais est-ce qu'on va le laisser amorcer du côté? C'est une bonne opération d'avoir un emporté. Attention à Kalyan en défense. Non. Il n'aura pas le temps de le jouer. Il n'avait pas trop compris où est-ce qu'il s'était vu tirer dessus, si c'était vitre ou pas. 11-9, mais Runasha à venir quand même pour Heroic. On a perdu combien d'armes? 2, si je ne m'abuse. Ouais. Donc il y a encore la guerre, je pense. À la sortie porte, les flashs étaient bonnes, mais le problème c'est le premier joueur TDS ici. Regardez, il n'a pas l'air blanc, je sais pas, en tout cas... Non, en fait on se dit pas qu'on peut être décal du Tetris. Ouais, tu sens pas. Ouais, je pense pas qu'ils sont blancs, ils sont en anti-flash. Mais on ne voit pas Hunter dans une décale comme celle-ci. On le voit plus, je sais pas, peut-être C2. Donc du coup il a pris mollo flash dans Lightroom, j'en sais rien. Ok. C'était pas parfait en termes de synchro, à mon avis. Petite poste narcotique... Bon, ça va racheter, hein. Vous voyez l'économie en bas à droite, on est large. Oui, je trouve, parce qu'il a éteint très vite Kaba. Il y a eu quand même une latence, tu sais, dans le staff port pour sortir. Alors qu'on veut attirer Kaba, il y a une petite latence. C'est toute une exécution qui n'était pas parfaite. GKS rampe, hein, toujours solo, mais qui lui... et les mecs, moi, je joue pas la descente. Hein. C'est ça, ce que j'allais dire. GKS, il vient... C'est ma zone, je la défends jusqu'à la mort. Et du coup, t'as envie d'aller le jouer, parce que c'est très risqué, mais à chaque fois, il y a un moins deux. Ah, puis, le premier tu peux avoir un petit Monessi qui traîne dans le coin aussi en soutien, donc c'est pas évident. Oh, encore une fois ça va courir, le contre-step est excellent, il y a deux morts vivants déjà. Impossible de passer pour les héroïques. Oh, l'anti-rush des G2, extrêmement efficace. Le petit deux balles de Nico, l'enchaînement de Hunter. Et prendre ça après une pause tactique, ça peut faire mal au crâne. Hein. Oui, oui, oui. J'ai voulu rush Kaba après la pause tactique. Alors que dans l'esprit de G2, sans doute, il y avait peu de thunes. Donc peu de thunes égale anti-rush propre, dont la HE. Ah ouais. La HE qui a complètement... Bon, qui a terminé le round. Hein. Les HE même, hein, parce qu'on en a deux qui n'étaient pas sortis, oui. Qui étaient déjà à deux points de vie, là, Chouché et Stone. Et G2 revient. Plus qu'un seul round d'avance pour ces héroïques qui rachètent, encore une fois. Alors, est-ce qu'on va mettre encore autant de rythme ou est-ce qu'on va calmer un petit peu le jeu? Ils n'ont pas beaucoup travaillé avec eux jusqu'à présent. C'est vrai, mais on peut acheter. Et on l'avait dit, hein, c'était G2 sur cette carte. C'est masterclass. Et la question, c'est est-ce qu'on peut tenir?
jouer sur la Monway, il aime bien faire ça. Est-ce que ça va les freiner? Alors, il n'y a personne pour lui envoyer du stuff à Nico, hein, donc pour l'instant. Oui. C'est un problème personnel. Il n'est pas là. Et le truc, c'est que Nico, à la fin de la smoke, va dire qu'il n'y a rien. Ah, potentiellement, il va peut-être communiquer que ça peut être en bas. Et du coup, JKS, il va. Mais la rotation est faite avec Monesi rampe. Ce qui veut dire que le BP1T... Hein, ils sont deux, mais on va dire que par contre, les rotations sont longues. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils retournent rampe encore? Ou on retourne un T? On retourne un T. Porte. C'est plutôt le meilleur plan. Ouais, avec un fumi par contre, parce que c'est défendu par Nico. Il faut le fumi B1. Ils ont plus... Il reste un fumi sur Cadien, il faut le fumi B1, voilà. Et là par contre, ça va être très compliqué pour le duo Uxi et Hunter. Peut-être reprendre le conduit, le cab ensemble. Non, on veut assumer les duels pour l'instant du côté du capitaine danois. Les flashs sont bonnes, on prend de l'espace, on a anticipé la position de Hunter. Mais les dégâts sont là pour l'instant, la défense qui tient parfaitement. Ouais, Uxi tient bien, Uxi ils sont pas vus, il va finir par tomber. Monesi, attention à pas trop jouer, très somptueux, attention à la reprise. Il reste en compte de Kadian est repéré. Kadian, non c'était pas beau du tout. Oh, qu'est-ce qui s'est bien tenu de la part d'Uxi Hunter quand même. Et Uxi très solide, hein, vraiment. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait 11 partout. Uxi en patron, ouais 11 partout. Et là, je pense que les Heroic vont devoir partir sur un petit dash là encore. Ouais, un peu trop forcé de la part de Monesi là. Surtout, regarde, JKS dans le timing est tellement bien. Il peut jouer sur le premier contact par contre de JKS, bien évidemment. Et ça va. Hunter remercie son capitaine là de la bien l'avoir soutenu. Ouais, c'est un petit achat très intéressant. Mais oh, le rythme qu'ils veulent mettre, les Heroic, c'est encore un rush inté. Avec un Uxi qui tombe directement, Hunter qui se repositionne, JKS qui est resté en place. Au niveau de son extrémité, il enchaîne sur le premier, il enchaîne sur le deuxième. Il est toujours là, mais il en met toujours deux alors qu'on voit que tout le monde regarde que là. Toujours cette ligne cassée, un petit peu deep. C'est incroyable. Alors on fait son marché. Allez, une AK, un Deagle pour jouer ce 2 contre 3, il reste du temps. Et il reste Yabi. Et il reste Yabi. Ouais, le meilleur joueur de son équipe. Et c'est JKS hein, qui est un nouveau top fragger de cette game, 18 kills, 18 morts par contre. Est-ce que Nico va avoir le timing? Non, il va pas reprendre pour l'instant le haut des SK. Pas mal ça. Est-ce qu'il va tenter un wall, Nico? Alors, bonne position pour TZS. Elle est pas mal. Ah oui, ça c'est la position. Elle est intéressante en fonction de comment les CT jouent. Normalement, le mec ramp doit jouer tard. Ah, c'est Hunter. Yabi a une position compliquée par contre. Hein. Là, c'est vraiment TZS qui doit faire le plus gros du travail. Alors, il aura l'avantage sur le premier duel, normalement, TZS. Voilà, derrière la réaction peut-être. Non, l'enchaînement sur Hunter. Nico maintenant, Avedo qui repère un premier jeu, mais qui se rate sur son spray. Le 2v3 ouais. Qui passe, 2v4 même, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est bien joué en bas, on smoke. TZS se met une position extrêmement forte sur Nuke. Et après, il est bon. Il est bon, tout simplement. Le deuxième duel contre Hunter, je le sentais pourtant pas, mais... Le spray a mis du temps à connecter. Le spray a été parfait, Hunter s'est un peu raté. Nico se rate, les deux serbes qui se ratent. Ah, bon, Nico avait dans sa tête déjà tué le joueur à droite, en fait. Oui, il fallait tout de suite qu'il anticipe. Le temps, comment... Je sais plus, le temps n'était pas ouf aussi, hein. On avait utilisé déjà une bonne vingtaine de secondes. Peut-être 30 secondes même. Avant, dernière pause tactique demandée. Alors, comment on y est? Je pense, niveau monétaire, on est pas mal. Sans doute dernier round de pour G2, je dirais. Ah, ils ont dit. Ah, attends, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça quand même. C'est tellement vite, Nico, aussi quand tu utilises tout ton stuff. Hein. En début de round en tirage. Ah, on dit qu'il saute la ligne pour Nico, mais on ne s'attendait pas à la position de TZ. Oui, Hunter était sur autre chose. Ah, en plus, bon, il aurait été mort quand même. Tu as vu TZ tout de suite, je joue en première attention. Ouais. Donc, c'est pas ce fail-là qui aurait condamné. Et c'est le dernier round achat. Et oui, oui, oui. Aïe, aïe. Il y a vraiment plus rien en banque. Il faut mettre ce point côté G2. Sinon, c'est 14 pour Heroic potentiellement. Kadian au snipe en attaque. C'est le premier snipe en attaque qu'on voit, je crois. Oui, Nico contre Navi qui avait pris énormément la position au-dessus. D'où le fait que Kadian est venu pour cela. Mais Nico change ses poses sur tous les matchs. Attention. Attention à ça. Après, il est capable de lui mettre deux. Oh, oh. Pour aller plus loin, est-ce qu'il y a une glissade? Ouais, Stone qui traverse bien, contact au fumigène justement pour ne pas être vu. Du public. Stone qui se bloque pas, TZS qui s'accopie en fuyant trop tard. Ça lui coûte très très cher. Mais il est en vie, ça c'est le plus important. Même avec 2 HP. Et Nico ne sait pas à quel point il a fait mal. Ah, il sait qu'il a démoli un peu quand même. Ouais. C'était quoi ça? C'était bizarre. Nico quand il XT,
son objectif, jamais il laisse le B1 ouvert. Jamais. En tout cas, sans l'information. JKS qui a repris le secret, on a abandonné la rampe. Mais ça a tétanisé, je sais pas où ils veulent en venir, Heroic. Il aurait pu parler. On peut jouer les duels, la chose qui se rate. Oh, attention, la déclic. Oh, attention, les amis. Est-ce qu'il passe devant la petite tête de Ursi? Oh, il l'aurait vu s'il avait visé, non? Après, ils sont 3 sur le B1. Il le voit toujours pas? Il le voit toujours pas, y'a un. Il en a vu un, ça va le mec. Aïe aïe aïe, Tedesk l'ouverture tellement sur Nico qui était low HP. Ou c'est obligé de se repositionner, les travers qui sont très très mal. Au leader d'Anne aurait mérité encore 2 joueurs sur le BP. Oh mais encore un TK du côté de Kadian. Le Hotscope sur JKS 1 contre 2 maintenant pour le leader danois. C'est vrai, je sais pas, il faudra voir la stat du nombre de TK. Les deux sont de chaque côté. On essaie ouvre la porte. Oh, on est pas loin. Attention, Monessi a pas joué trop vite. Attention, c'est une histoire de points de vie. 12-14. Oh, il va son shot headshot de Monessi. Une balle dans l'orteil aurait suffi. Une balle. Qui n'aura jamais connecté. On est dans le money time, c'est chaud. Ah là, c'était le Monessi time. Il fallait pas qu'il tremble sur son dernier duel. Oh. On est peut-être sur quoi, le troisième TK? Oh, tu as plus il met une scope et shot. C'est vrai. Et là, regarde, oh, une balle, il aurait fallu une balle. Oh là là, il met. C'est tellement rapide. Alors qu'il avait vu un premier temps son arme, là, Hunter se trouve, hein, disons-le. Oh, ils ont planté la bombe, je pense qu'Heroic a des thunes. Quelle guerre. Et ils savent que G2 ils sont en PLS économiquement, donc je pense que... Ah ouais. Ils s'en veulent, mais il faut rester calme, la pause elle est bienvenue. Mais on sent de la tension, on sent des ratés aussi des deux côtés. Mais c'est pas un round totalement négatif pour les héroïques, hein. Bombe amorcée avec 4 armes tombées. Oui, oui, bah, c'est la pause payer. Pour la guerre, c'est la pause pour la guerre. 12 partout, on y est dans le money time. Oh oui. Est-ce qu'on va avoir un vainqueur dans les 30 rounds? Est-ce qu'on va déjà partir sur un overtime sur cette première carte? En tout cas, comme prévu, on commence par une magnifique okay, oui. carte. Et encore une fois, d'ailleurs, G2 est à 12-12, mais n'oublions pas que G2 a marqué les deux pistoles. Oh, mon Ezzy. Oh, la prise de risque. Et ça, franchement, qu'il tricks bien. Wow. Ça, c'est le meilleur mover pour moi au monde aujourd'hui. Mon Ezzy, il n'y a même pas débat. Oh, Jabi, par contre, il a des couillasses. Attention, il a entendu. On vient le décaler en sort, il réussit à s'enfuir. Non, ça aurait été un miracle quand même. Il s'appelle pas Hunter pour rien. Vraiment? Ah, ils ont vu Mon Ezzy, c'est pour ça qu'ils font ça, c'est pour ça qu'il fait ça. Mais t'as Nico potentiellement quelque part. Mais Nico il est naïf hein, pour l'instant. Mais ouais, il est naïf, c'est sûr, il n'y a pas de stuff. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment dépasser le bébé? Ça réagit pas, regarde la défense. Mais ils pensent qu'il y a plus un joueur. Est-ce qu'ils vont sortir direct? Ah bah, ça y est, c'est trop tard, ils sont hors d'opposition. Est-ce que tu tentes un Europis 4v4 là? Bah là, juste, je dois se calmer déjà. Mais non. Si on est serein, on le joue pas. Ils vont le jouer. Ça dépend si Chouch se donne en fait. Ouais, les Chouch, ils jouent très bien. Oh, il le joue. Faut pas qu'il meure. Le joue. Ah, c'est trop tard maintenant. Là, je pense qu'Hunter veut se barrer. Il va pouvoir se barrer. Et là, par contre, la fausse bonne idée, c'est de tenter la reprise. Hein. Ils sont hors de position. Quoique ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Ok, ça peut se tenter. Oh, Chouch qui a attendu. Hunter qui est en train de faire le round. Il est exceptionnel. Le quadruplé derrière. On va faire tirer Kadian dans le lead. Normalement c'est eux qui seront receveurs de round, mais on l'a dit depuis quelques temps, c'est pas eux, c'est leurs adversaires. C'était gagné, le round était gagné. Ils étaient 4v3, ils n'avaient pas besoin de faire n'importe quoi. Non, mais le problème c'est qu'ils ont mis tellement leur pion un petit peu à gauche et à droite, c'était décousu. On avait Chouch en haut, un joueur dans le conduit, regardez ici, qui était à moitié perdu. C'est qui, c'est Stone? Regardez, hein, tu vas être pour côté de ce festin, attention, je pense que c'est tellement dur à jouer. Ah ouais, c'est resté à deux labos. Chouch qui est obligé de descendre au bout d'un moment quand même parce qu'il y a une bombe à défendre. Et là on saute extrêmement bien à la ligne. Attention, c'est de l'achat. Oh que c'est important ce round. C'est quasiment round de map. C'est encore la guerre, mais jusqu'au bout en fait la guerre. Hein. Je crois que Nico a pas encore fait un kill hecté hein, depuis le début de ce match. Il est muselé. En fait ça joue pas spécialement sur lui, il se prend les rotations dans la tronche. Et puis il prend pas beaucoup de risques non plus. Stone passe. On sait pas qui passe. Oh, ils sont deux. C'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur JKS depuis le début. Ouais, c'était vraiment le plan. Hein. JKS, le Monessi vient aider. Il est possible que Nico, dans ses informations, dise qu'il n'y ait personne en bas. Oh là là, ils vont y aller sur le setup à deux.
Après, j'imagine que ça va sauter la un boost, ça va te calmer. Quelque chose. Oh non, c'est trop gentil ça. Ah, on s'y attendait pas du tout, on est naïf. Là, on va comprendre qu'il y avait du monde. Ah, mais ils ont pas de stuff, héroïque. Stun essaye de fake, mais comment tu peux me faire marcher un fake? Il faut jamais bouger côté G2, c'est impossible que ce soit là. Là, on va dépendre encore une fois d'exploits individuels. Ouverture, voilà, comme celle de Juno sur Nico. Est-ce qu'on a vu la bombe? Oh, ils vont repartir. Oh, c'est du man game. C'est tellement man game. Ils ont un petit peu de temps, 40 secondes. La défense ne bouge pas. Et ne réagissent oui, pas. Oui, surtout GKS à coup d'épaule XT. Faudrait que Stone mette un maximum d'activité justement pour que la défense commence un petit peu, voilà, à se désorganiser. Non mais ils sont courants que c'est un fake, c'est pas possible. GKS à coup d'épaule. Ils sont trop aidés. Ils vont descendre conduit. Non. Oh, oh le call de génie Stone, forcément. Oh là là, Stone n'a vu personne. Stone n'a vu personne. Les dégâts sur Rooksy. Oh Hunter, encore une fois peut-être le sauveur sur ce round. Avantage numérique pour les G2 sur cette reprise. Ils vont doubler décal. Oh non, c'est trop tôt. Oh non, oh, c'est magnifique. Trop tôt. Quel round on est en train d'assister, c'est magnifique. Oh sur mon dieu compris. Hunter est mort. Le petit de balle de GKS de contre 2, donc maintenant on y croit. On va tenter de reprendre. Peut-être qu'il enchaîne sur Stone. Oui, Davy pour un exploit. Il est tox, on le sait. On a des kits. Y a pas il reste maintenant une quinzaine de secondes. Va falloir y aller, faut pas rater sa balle. Où est Yabi? Où est Yabi? Les travers derrière, on va décaler ensemble. Ça va passer pour les G2. Oh, oh les regrets héroïques. Oh il peut avoir des regrets, quel call d'héroïque. Et ils perdent toujours un mec. Oh là 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 là. Héroïque, il semble avoir de meilleures idées sur son side d'attaque là depuis quelques rounds, mais ça passe pas. Là on joue les duels. Et le Moïse qui a bien attendu que Yabi casse la porte pour, ouais, pour l'accueillir. Quelle patience. Essuie-toi les pieds. Magnifique round en tout cas proposé par les deux équipes. Il y avait de la bonne lecture. Héroïque a eu même la meilleure lecture jusqu'à la fin. On va en faire la peine. Ça ressemblait tout à l'heure à un rush inté bizarre. Enfin, ils ont réussi à faire cracher le stuff, c'est pour un deuxième temps. En fait ils veulent un deuxième temps. Ça fait un petit moment qu'on a pu tâter l'inté là pour les héroïques. Hunter Ouxy. Ouxy qui a déjà pris cher d'ailleurs. Oh et la reprise radio. Oh il a mollo aussi hein, oui. Donc censé le savoir, non? Mais il y aller du coup. Ils vont être naïfs. Ils vont être naïfs avec un Hunter encore une fois qui est en train de nous faire un side exceptionnel. L'ouverture de Yabi sur Ouxy. JKS qui arrive très rapidement dans le dos, qui peut intercepter la bombe et qui en plus enchaîne sur Yabi. Les G2 maintenant à une élimination du 15ème round. Magnifique, là Hunter qui est venu tout de suite. Dès qu'il n'y a pas le stuff, il s'est dit on doit réagir, on doit bloquer à la racine. Il reste Stone, spot 55 secondes. Il n'a pas la bombe. De créer quelque chose, attention Hunter à pas trop jouer. Monesi qui fait savoir sa position. Stone va y aller. Non. Oh, il le pense qu'il à travers. Il a dû indiquer qu'il a touché à travers. Je ne peux pas imaginer autre chose. Monesi qui se barre. On a demandé de jouer tranquille 35 secondes. Ils n'ont plus une thune, les héroïques. Mais c'est surtout, comment tu peux perdre ce round? Regarde comment ils sont. S'ils ne bougent jamais, Stone n'a aucun moyen, ne serait-ce que de tuer Nico. Son seul choix, c'est de prendre son choix d'aller le conduire. Et il n'aura même pas de temps pour faire quelque chose avec. Il le sait qu'il y a forcément un mec inté. Oui, il est conduit. 15 secondes. Oh. Est-ce qu'il doit courir un moment? Il est obligé de courir. Il est obligé de courir. Est-ce qu'il va rater sa balle? Bien sûr que non. Bien sûr que non. 15ème point pour les G2. 3 rounds de map. Oh, les regrets pour Héroïque. Quand ils vont repenser à ce 12-12 et ce 13-12. Voilà, Hunter qui s'adapte, hein, il est intelligent pour ça, on a plus de stuff maintenant si jamais il y a une strat indé. Donc il resserre dans le tabac pour stopper l'explosivité éventuelle. Et là, il y a le talon JKS. Ah là, c'est JKS et Hunter hein, depuis 3-4 rounds qui sont exceptionnels. 15-12. On a le sentiment que ça aurait pu aller aussi de l'autre côté. Hein. Ouais. Ah bah c'est deux reprises pour en bas. Pour l'instant, c'est Héroïque qui peut s'en prendre qu'à soi-même. Défense de bombe en 5v4, enfin en 4v4 et 3v4 là qui était censé normalement partir à leur avantage. 21 kills pour JKS, 22 pour Hunter. En face c'est Jabis. Quelle homogénéité, regarde du 15 à 19 chez Héroïque.
Oh la facto. Oh la petite facto. On va directement aller conduire du côté de Chouche qu'on a envoyé tout seul. Non. La compagnie est là derrière. Oh non. Nico qui est déjà positionné idéalement. Combien il peut en prendre? Faut qu'il en fasse deux. Il faut qu'il en fasse deux. Un qui décale à gauche, un qui décale à droite. Le transfert de spray finalement qui ne connectera pas suffisamment sur Chouche. La bombe n'est pas encore amorcée. JKS. Ok. Faut temporiser un petit peu. Hunter est là. Ils sont au courant qu'ils sont pas beaucoup en bas. Donc est-ce qu'on voudrait pas les taper? Il y a un mec, c'est Uxy qui est déjà passé, donc qui est tox déjà. Il y a deux fumis côté Stone et Cadian. Plus qu'un seul maintenant. Oh, Tezas qui passe. Tezas aussi. Oh, c'est Uxy. Alors. Uxy ne le sait pas, mais s'il sort, il a deux kills de dos. Mais il a un doute sur la présence d'un deuxième joueur qui est sur lui. Et donc il ose pas. Il faut se méfier de la petite porte, on est au courant du côté des héroïques. Uxy, t'en parlais, qui va le prendre ce double? Tu l'avais annoncé. 2 contre 4. Stone encore une fois touché à travers par Monesi. Oh, il a été vu TSS aussi. Il s'en débarrasse. C'est fini. J'ai deux mains. Ils vont mettre la première carte. En PO5, enfin. Ils vont enfin mettre une map. La win streak sur Nuke va continuer pour les G2. Et c'était superbe. Ils ne prendront pas 3-0. Quel niveau sur cette première carte. Et Heroic qui a eu deux rounds de faiblesse. Oui. Au moment où il fallait pas, à 12-12, à 12-13, où ils auraient vraiment totalement pu tuer ces G2. Mais voilà, Hunter, JKS, Monesi, qui ont joué leur A-game. Et on a vu quand même, hein, ce qui est la map, où tout le monde estimait que Nuke c'était vraiment pour G2, c'était quand même très serré. Alors qu'ils ont réussi à éteindre Nico. Oui, qui a les deux pistoles et qui a ses deux runes. Ouais. Incroyable.